garantir une victoire ukrainienne sur la Russie. C'est avec ce mot d'ordre que l'OTAN et l'Ukraine se sont retrouvés ce vendredi à Ramstein, dans le sud de l'Allemagne. Au programme, les nouvelles livraisons d'armes, mais aussi l'adhésion du pays à l'Alliance transatlantique. De retour de Kiev, Jens Stoltenberg a réaffirmé la nécessité de soutenir l'Ukraine jusqu'au bout. I said in Kiev yesterday that Ukraine's future is in the Euro-Atlantic family, and all NATO allies have agreed that Ukraine will become a NATO member. But the main focus now is, of course, on how to ensure that Ukraine prevails. Si l'adhésion officielle de Kiev à l'OTAN semble encore lointaine, Jens Stoltenberg s'est montré sensible à la demande de Volodymyr Zelensky d'assister à la prochaine réunion de l'Alliance en juillet. Ані більшість українців, ані більшість європейців, ані більшість мешканців усього простору НАТО не зрозуміють лідерів альянсу, якщо на цьому саміті у Вільнюсі не прозвучить заслужене політичне запрошення для України до альянсу. Україна все зробила для того, щоб наша заявка була задоволена. En attendant, le président ukrainien assistera aux discussions de ce vendredi et tentera de convaincre ses partenaires de lui fournir des missiles de longue portée et des avions de chasse pour soutenir la contre-offensive dans le Donbass.